reste un tour. Oh merde, on a mis qu'un chien, les gars. Ça va où? Attends, je le sais. Faut le faire courir pour le réanimer. Avec une espèce de petit machin en plastique, avec des comme poils dessus à l'arrière. Et là, tu frappes tes dents avec ça. Avec ça, tu frappes. Et il y a une espèce de petite patte blanche. Et ça là, voilà. Là, on met sur la brosse et tu brosses les dents. C'est un peu répugnant. Voilà, tu fais ça, bien. Vas-y, ensuite. Après, c'est dans la bouche et pour frotter. Ça là. Le tube t'as de ton grand-père, donc je sais pas si c'est encore très bon. Vas-y. Faut cracher et rincer maintenant. Par où? Oui. Oh, on se connaît bien là, hein. Ah, le camping, c'est... Ah, mais y'a rien de mieux, hein, tout simplement. Oh oui. Jérôme! Oui. Jérôme! Oui, oui. Jérôme, où est-ce que t'es mis? Où est-ce que t'es mis ma fonte de toilette? Où est-ce que t'es mis ma fonte de toilette? Je l'ai laissé dans la tente. Mais non, non, mais tu crois que t'es pas trop manger les fonds de toilette? Mais moi je fais quoi? Moi je déteste le camping déjà. Je déteste le camping, mais en plus de ça, je peux pas me laver. Ça pue, les chiottes sont dégueulasses. Mais c'est ça, le jeu du camping, c'est la nature. C'est... Voilà. Mais j'en ai rien à foutre de la nature. Alors là, on ne peut pas revenir sur le pain de mie. Depuis des générations, on est à la brioche. Le pain de mie, c'est hors de question. Je veux du pain de mie, sinon je ne fais pas à l'école. Je reviens. Je ne voudrais pas être avec moi. Ne fais pas de bêtises. Je reviens. En plus, je suis sûr que ce doigt n'est pas chargé. On confirme, il y a du zombie. Ah oui, c'est sûr. Les zombies sont à 112. Ok. Voilà. Bah écoute, j'envoie... Spécial. Très bien. Il y a deux mecs qui vont arriver, généralement, ils désirent bien. Hein. Ouais. Bougez pas, monsieur. Je les envoie. D'ici 20 minutes, ils sont là. Très bien. À de suite. Deux minutes plus tard. Une espéciale, des zombies. Merci. Avec Christophe, regarde. Christophe, je suis ton cœur. Il était malheureusement homosexuel, comme tu peux le voir, regarde. Et policier. Et... Dis donc, je vais pas aider, toi, hein. Je suis plutôt dégueulasse, les gars. Je te dirais d'être beau. Eh ben viens à la clinique Jean-Pierre Thibault et tu finiras. Non. J'en avais marre des kékés des plages. Ah, on sait un kéké des plages. Bonjour mes amis. Il y a une solution. Appelez notre dékéké des plagisateurs. Il vous débarrasse du kéké des plages. Merci. De mettre du déodorant, ça va servir. C'est marqué. Ça fait un peu de bruit quand on marche. Voilà, c'est plus léger. Tu n'as pas vu les nouvelles tongs? Non. Regarde. Oh. Oh. La finesse et le raffinement. Les tongs. Oh, on a beau dire, Paris, c'est quand même une charmante ville. Hello. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. C'est à moi qu'elle parle. Bonjour. Excusez-moi, je suis perdue. Oui, mademoiselle. Bonjour. Oui, bonjour, oui. Oui, pardon, personne ne dit bonjour. Alors, écoute. Enfin, bref, tout ça pour dire...
Alors alors je ne suis pas la bonne personne, figurez-vous que moi je viens tout de suite, tout droit de Belgique en fait. Mais je ne ah, ça pas. Ne s'entend pas. C'est vrai, merci, donc j'essaie de cacher mon bébé. S'il vous plaît, pas à manger par les bébés. Excusez de déranger. Bon bah attendez, je vais peut-être vous donner le bol. C'est un petit bébé, si vous voulez. C'est pas très sympa de cracher sur les gens. Écoutez monsieur, est-ce que vous savez aller au château de Vincennes ou pas? Oui ou non? Dites-moi. Ah bah alors, mais c'est simple, je crois que si on regarde là sur le petit panneau d'affichage, on est sur la ligne 9, il vous reste environ 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 60, 14 stations. Vous êtes sur la bonne voie, au moins vous avez l'avantage que c'est direct. Ah, je suis rêvée, ça va vachement mieux. Je ne sais pas. Alors, qui est celui qui va envoyer du gaz lacrymogène dans le village? C'est lui, c'est le Belge. Les Belges sont très sournois. Alors, comment alors, ils ont l'air sympa, mais ils ont du spray partout tout le temps. Mais je n'ai pas pu payer à la rivoisière. Est-ce que vous pouvez me dépanner d'un peu d'argent pour les bébés, pour moi et pour mes yeux, parce que j'ai vraiment mal. Si au moins vous chantiez, peut-être que je vous donnerai un truc. Ah oui, c'est ça, vous êtes mobilisé ça. Si tu chantes, moi je te donne moins un bal. Ah d'accord, bon bah je vais chanter alors. Mais c'est vrai, c'est aussi qu'il est le bébé. Bah, le bébé, il est dans un tiroir de ma veste. Juste là. Oh, ça tient debout, ça tient debout. Est-ce qu'on peut demander les chansons qu'on veut? Vous pouvez demander absolument, je suis un jukebox roumain. Et t'es écouté, moi je me sens un idiot. Ah, moi je préférerais Patrick Sébastien, parce que pas tant, je préférerais. Eh ben je préfère un mix des deux. Voilà. Par contre, est-ce que vous avez une chanson de Céline Dion? Parce que moi je connais pas hyper bien. J'ai compris. Ah oui, très bien, très bien. Vas-y, vous voulez chanter à ma place, vous dites, là, il n'y a pas de soucis. Attends, c'est super, j'adore ce que tu fais, je te donne un bon. Et au fond, si tu vois de, chante les sardines, chante les sardines. Et au fond, si tu vois de, chante les sardines, excusez de déranger, je veux de l'argent. Hey! Hop, 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 il paraît que t'es bourré, toi, hein. Tu sors. Oh waouh, c'est sympa. Par contre, il y a personne. Oh waouh, ah, il y a un type. Je crois qu'il m'a marqué. Ouais, allez, c'est la merde, tiens. Oh, ça tombe super bien, je vais tenter une approche. Tu sais, tranquille, ah. Et là, la dame, monsieur, madame, là, je sais pas. Elle est foutue, foutue, elle est toute seule. Salut. Salut. Tu fais quoi dans la vie? Stop! Que fait-elle dans la vie? Du kayak. Du kayak. Moi je fais du kayak. Tu fais du kayak? Moi je fais du kayak en compétition. Ouais, là, ça se voit. Allez, va prendre des rochers. Allez, tiens. Ouais, pas terrible. Ouais? Ouais. Laisse-moi, je vais essayer pour voir si. Allez, vas-y, tente. Je pourrais y aller après? Ouais, tu veux? Waouh. Ça? On douche! Excusez-moi, c'est naturel cette coupe de cheveux? Ouais, mais c'est dur! Tu te chouettes? Non, c'est. Ça, ça porte chance! Ah, c'est doux! Ouais, mais t'as vu? Elle est bien en danse! Putain, direct, c'est attendez, mon frère! Je vais tenter un truc un peu particulier. Stop! Que va-t-il tenter? La main aux fesses! À qui? Tu vas tenter quoi? T'inquiète, c'est une technique que j'ai appris au Tibet. Tu me fais peur, François. Hé, salaud! Malade, toi! Tu sais qui je suis, moi? Bah, non, je vais bientôt le savoir. Je suis qui, vous? Mais tu sais pas. Stop! Qui je suis, moi? Et qui c'est? Pardon? François Hollande. Monsieur le Président, il m'a touché les fesses. Ouais, et moi j'ai deux mois à vous dire, j'ai plus de boulot et ma copine et mes compagnons. Oh papa, c'est pas le moment de revendiquer tes droits, toi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Son Excellence. Alors, ça, monsieur.
Oh, c'est pas bon ou quoi? J'ai tapé le président. J'ai tapé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal aux cheveux. Mais ça c'est parce que tu as trop bu sûrement. Mais c'est parce qu'il a pas la bonne coupe de cheveux. Ah oui. Mais oui. Et c'est celle-ci. Regarde, avec les boulettes 3000. Fini les boulettes. Merci boulettes 3000. La surprise de ce soir, ma chérie. Les bonnets scriptures. Et je peux te dire que quand tu retires la crinière, t'en vois partout. Allez. C'est du japonais. Pour entendre une jeune fille un peu différente. Super réussi. Ah, tiens, voilà souffler. C'est vachement colère ici. Ah bah souffler, qu'est-ce que tu fous? J'ai infiltré la base ennemie. Alors, raconte-nous des news du front. Oui. J'ai des... C'est ma blague préférée. J'ai des news. Ils ont de l'eau de vie. Et l'eau de vie, dans eau de vie, il y a vie. Il y a eau aussi. Oui, mon ex. Attention les gars. Oh, quoi, qu'est-ce qui se passe? Un macaque. Oh, les bâtards. J'ai déjà mis le coup de quoi? Tu veux lui mettre un coup de moustache rouge? Là! C'est bon les gars, c'est bon! Ah, dis m'a eu, je crois qu'il m'a touché à la cacahuète! Ah non, c'est cacahuète qui fait quelque chose! Elles sont pas dans sa belle! Bien sûr! C'est le moment où tu vas intervenir! C'est ton moment à Beyrouth! On va aller changer les gars! Je ramène 6 blondes stripteaseuses. Il ne peut pas éclater les cacahuètes. Hey, je pense qu'il faut utiliser la technique de sur les 4 homosexuels. Sur les 4 homosexuels, il faut réparer ces cacahuètes. Il faudrait mettre le sur les 4 homosexuels dans les cacahuètes du monsieur. Oh. On le voit. Je savais que c'était hostile. Oh là. J'ai voulu dire de loin, mais je savais pas ce que c'était. Oh là là, les antennes ne trompent jamais. Oh là, je commence. Oh là 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 là. Esquive du dragon. Attention. Il va attaquer, je sais. Ah, attends. Esquive de la mouette. Oh là. Stop. Et c'est alors. Que se passe-t-il? Une idée? Le filet est troué. Le filet est troué. Oh, je trouve. Elle est ratée. Ouais. Je t'ai vu là pour ta technique de la chasse au papillon. Ouais, j'y suis depuis ce matin, 6h. Ouais, c'est pas comme ça, c'est fini le filet. Ah bon, c'est ça, c'était en 1999. Oh, mais il y a une autre technique. Je vais mettre ce fusil à pompe direct là. Oh là là. Non, ça crée pour toi. Ah, la honte. J'aurais jamais fait pour toi. François. Oui. Je sais, d'habitude je t'appelle Francesco, mais là c'est François. J'entends ça, Manuel. Notre brandy. Merci. C'est bien. Grand maître. Merci. Vous ne regardez pas dans les yeux. C'est bien. Laisse-nous maintenant, on doit parler entre adultes. Très bien. Qui c'est la petite bien-être? Je ne sais pas, peux-tu bien ouvrir s'il te plaît? Tu me le demandes plus gentiment. Dis donc Manuel, tu sembles oublier qui est le patron ici. Bonjour. Jean-Marc. Je l'ai trouvé, le petit Sarkozy. Vous êtes sûr que c'est le vrai? Sarkozy est parti au soleil. J'en étais sûr. Il prend du bon temps. J'ai un peu des doutes sur l'identité, moi. Vous voyez, au ministère de l'Intérieur, on se pose des questions sur l'identité. Et quoi, c'est simple. Faire croire que ça, c'est Nicolas Sarkozy. J'ai la solution. J'ai le numéro personnel de Nicolas. Je vais l'appeler. Voyons voir si ça sonne. Si ça ne sonne pas, je le laisse. Excusez-moi, mon téléphone sonne.
Il y a le Nicolas. Nicolas, c'est toi? Oui, c'est Nicolas. Vous êtes à côté, les gars. Écoute, écoute, je m'en veux d'avoir douté de toi. C'est pas grave, Francesco. Et depuis que tu as pris ma place. Oui. Les choses insensées. Tellement plus. Tu es parti en vacances, Nicolas. Dis-nous où tu es parti. Très longtemps. C'était un studio. Pour l'album de ma femme. Très bien. Très très bien. Mais Francesco, on t'en fout. Et donc vous êtes tous au courant? On t'en fout. On t'en fout. Ça n'a rien à voir avec la honte, c'est quand t'as vu. On t'en fout. On t'en fout. Massilia, dégainez les armes. Je savais que je me sortirais pas de ce bureau vivant. Francesco, où elle est? Elle est où? Où elle est? Où est Julieta? Julieta. Je ne dis rien. Julieta. Manuel, il faudra reprendre le flambeau quand je serai mort. Oh non. J'ai toujours eu confiance en toi. Manuel, il est incapable de reprendre le flambeau. C'est à moi qu'il va revenir. Eh bien, il y aura une terrible guerre alors. Très bien. Manuel. Alors, ton premier jour d'école, ça s'est bien passé? Oh, c'est vraiment compliqué. Mais oui, l'école, c'est compliqué. J'aimerais tellement être déscolarisée. Être déscolarisée? Oh oui. Eh bien, aujourd'hui, c'est possible. Avec le nouveau système d'Escolaria, vous pouvez déscolariser votre enfant. Mais qu'est-ce que je fais, Jean-Michel? Allez, va au château! Mais oui, mais t'as pas de truelle! Mais non, c'est quoi? Je sais pas, mais Ah, tu veux dire le petit outil un peu triangulaire qui fait des châteaux de sable? Ouais, je crois. Bah, j'en veux bien une si t'en as. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Ça, truelle 2000! Avec elle, tous vos châteaux seront réussis. Bien, je vous présente Jean-Michel. Bonjour. Jean-Michel qui ne parle qu'en rime. Vas-y, Jean-Michel. Bonjour. Tour. Rime avec tour. Les gens de Tours. Voilà. Vous allez bien? Sale chien. Sale chien. Jean-Michel se produira très bientôt, mais pas encore tout de suite, tout de suite. Si vous aussi vous ne savez plus quoi faire de votre mari, n'hésitez plus. Achetez lui un costume de robot à Noël, il s'amusera tout seul. Vous en avez marre d'avoir l'air d'un enfant? Eh bien, c'est très simple. Voilà, grâce à un jeté de poil, un collage immédiat. Regardez-vous, on dirait que vous avez 35 ans. Ah, super, merci. C'est merveilleux. Antonin, justement, tu es mon cobaye, c'est très bien. Ça tombe très très bien, bien. Assieds-toi là, assieds-toi là. M'asseoir, c'est risqué. J'ai trouvé la formule. On en reste debout, tu vas tout saloper le laboratoire. J'ai trouvé une formule. Ça fait maintenant 7 ans que tu as cette diarrhée. Oui. J'ai trouvé la formule qui permet de la rendre encore plus aiguë. Encore plus liquide. Encore plus liquide. Oh, ça brûle. Une diarrhée vapeur. Alors. Vas-y, chicap. Alors pour ça, j'aimerais que. Donc tu restes calme, oui. Les bras le long du corps, je vais te faire goûter la mixture. Oui. La mixture est à base d'un. Stop! À quoi est à base de. Pardon. La mixture est à base de. De moustique. La mixture est à base de moustiques, c'est-à-dire c'est très simple. C'est du moustique écrasé, concassé, concassé la gueule et tout dans le verre. Oui. Ah, t'as chaud, hein, t'as chaud, de quoi t'as chaud? Bon, d'abord il faut que t'avales ça. Voilà. Stop! Et que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il à notre brave cobaye? Il disparaît! Il y a de la vapeur partout! Il y a de la vapeur partout! Il y a de la vapeur! Les effets spéciaux! Il y a de la vapeur partout! Vous êtes prêts? Comment ça? Attends, on a oublié quelque chose avant chaque début de concert de rock! On s'ouvre le bide! Vous le faites pas avec moi? Bon, bah on va continuer. Je vous garantis pas de faire tout le concert, mais. C'est pas grave! On y va? T'as qu'à jouer un petit peu avec tes boyaux, ça va. Ok! Allez! Ching 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 ching
ressemble super bien. Alors la vache, en plus il nous a vus. Il a dit hé, les gamins. Ouais, c'est vrai. Arrêtez-moi cette musique de banlieue. Ouais, ok, on a arrêté. Ça, c'est pas du vrai rock. Bah, on va t'écouter alors. Qu'est-ce que t'as proposé? J'ai mieux à proposer. Oui? On t'écoute. Oui? Il entend pas ou qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il est sourd des yeux. Écoutez-moi un peu ce petit son. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. Non. Deuxième Gaou est un cow-boy. Gangalawa, Galawa. Gangalawa, Gangalawa. Gangalawa, Gangalawa.